Manu dans le 6-10. Wouh! Un film Manu! Avec ses ouin-ouin. Attention, voici des sondages qui commencent tous par un Français sur cinq. Comme on est quatre dans le studio, Isaël, Glandu, Odo Standard et moi, ben on risque d'être dedans. C'est parti, on se quitte avec ça. Un Français sur cinq trouve que le tennis est le sport le plus ennuyeux à regarder à la télé. Oh ben moi j'aime bien. Ouais, et quand tu connais les règles, c'est super. Moi, tant que je connaissais pas les règles, franchement, je m'y intéressais pas. D'accord. Mais un jour, j'ai compris. Alors par contre, je sais pas si vous avez déjà essayé sur smartphone, c'est particulier parce que souvent, tu ne vois pas la balle. Quand tu regardes sur smartphone le tennis. Ah, aussi, moi j'ai regardé déjà. Ah ouais? Ah bah moi j'ai déjà essayé quand même, c'est plus compliqué quoi. Vu que c'est petit. Ouais, j'ai un énorme smartphone. Quand on a un petit zizi, on a toujours un énorme smartphone. C'est ça. Un Français sur cinq est mal à l'aise quand tu lui fais un câlin. Oh. Alors, moi je c'est suis toi, peut-être celui-là. Ouais. J'aime pas trop les câlins moi, je suis pas tactile. T'es pas très, ouais, t'es pas très rapport physique toi. Ouais, j'avoue. Oui, Rose, standard. Mais avec ta fille quand même, t'aimes bien quand elle te fait des câlins, non? Putain, ma fille! N'importe quoi. Dans la foule. Tout pour la vanne. Toi, le comédien. Oui, alors tu sais quoi? Eh ben, c'est ma fille qui m'a réconcilié avec les câlins. Ah bah tu vois. Et ouais, c'est vrai. C'est bien les câlins. Trop mignon. Ça fait plaisir. Bah ouais. Avec ma fille, ouais, mais sinon avec les gens, je suis pas. Hein? Le Covid, par exemple, ouais. Ça m'a soulagé quelque part. Tu sais, quand on se touchait plus, j'ai pas touché déjà. Bon. Un Français sur cinq s'est déjà coupé les cheveux lui-même. Odo Standard. Ah, ça, moi, je l'ai fait, ouais, quand j'étais petite. Je me suis coupé une grosse mèche. Et puis, j'ai caché les mèches, sous le canapé de ma maison. Je sais pas pourquoi, je sais pas. J'avais envie de me couper les cheveux, je voulais une coupe très très courte et ma mère voulait pas. Et puis j'ai fait ça toute seule quoi. D'accord, mais t'as caché les cheveux, mais ça se voyait que tu t'étais coupé les cheveux. Ça s'est vu le lendemain, oui, c'était complètement débile en fait, ouais. Ne le prends pas mal, mais oui, c'était débile. Un Français sur cinq n'aime pas les bisous avec la langue. Oh. Ok, d'accord. Ouais. Glandu est pas. Non, je suis pas méga fan, tu vois. Et je trouve la passion des fois s'éteint un peu et du coup les bisous avec la langue sont moins, tu vois. Le bisou avec la langue c'est le bisou moins automatique quoi. Oui c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est le truc de la fougue en fait. Il y en a plus au début, voilà, il y en a plus au début qu'après quelques années de relation. Mais au début le bisou avec la langue peut durer entre 4 et 5 jours. Voilà, c'est ça. C'est un truc, après vous êtes dans une rivière, non c'est la bable qui coupe. Non, mais vraiment. Quoi non? Avec un truc dégueu à la fin. Non, franchement. Manu dans le 6-10. Oui, c'est Manu. Et c'est ouin ouin. Énergie.